Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Bitman Spirit. Alors aujourd'hui les amis, comme prévu, un gameplay avec le Marder 3H. Donc ça fait très longtemps que je l'avais pas joué. Hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai redécouvert un petit peu ce char quand j'ai joué un peu les Shtug. Donc on va essayer de faire au mieux avec un véhicule qui est quand même très sensible au tir, hein, qui n'a pas de blindage et surtout qui est très vulnérable à l'aviation. D'ailleurs c'est un peu pour ça que j'avais laissé tomber un peu tous ces chasseurs de chars à casemate ouverte. Donc c'est un canon automoteur tracté, hein, vraiment très efficace, donc le pack 40-75 mm. Donc on nettoie vraiment comme il faut avec ce petit blindé. Alors après, comme on vient de le dire, on est très vulnérable à l'aviation, c'est vraiment un problème. Donc il faut essayer de trouver des points d'appui avec un peu de couverture, mais c'est pas toujours évident. Alors là sur la map Carpathes, on va essayer de faire au mieux. Je vais essayer de m'installer un peu vers les hauteurs du château. Donc de toute façon, dans cette partie avec un seul point unique à capturer, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Donc on est parti. Alors vraiment le Marder 3, un bon petit chasseur de chars, hein, donc avec son pack 40-75 mm, on nettoie vraiment bien comme il faut les ennemis. En général, on n'a pas besoin de répéter le tir pour détruire qui que ce soit, surtout dans cette catégorie. En plus, il a vraiment une gueule plutôt sympathique. Et c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir l'équipage visible comme là. C'est vrai que ça donne un petit plus quand on joue ce genre de véhicule. Pour l'ambiance, c'est plutôt bien. Après, voilà, c'est des véhicules qui sont quand même assez compliqués à jouer. Il faut éviter d'être à découvert, ou en tout cas, il faut vraiment éviter les contacts, hein, ça c'est clair. Même s'il recule bien, qu'il a une bonne mobilité, le char est vraiment très bon. On arrive quand même à bien manœuvrer avec. Voilà, c'est juste le manque de blindage, le fait qu'il soit ouvert qui rend la mission un petit peu compliquée. Alors là, vous allez voir, je vais me placer sur le bord de la colline, là, à ras du château. On va essayer de faire un appui-feu longue distance, mais c'est pas évident parce que les ennemis arrivent en général derrière la chaîne de montagne sur la droite, ce qui leur donne quand même un couvert pour s'approcher de la zone à capturer, donc c'est pas évident de pouvoir les neutraliser. Donc on va faire d'abord un premier arrêt ici, on va essayer de voir si c'est ce qu'on peut faire. Alors ça faisait quand même vraiment un bon moment que je l'avais pas joué, hein. Mais c'est vrai qu'à la limite on peut le mettre largement dans une catégorie un peu plus haute. Je dirais qu'on peut même l'utiliser en 5-3 ce char. Il a la force de frappe du Panzer IV, donc on peut arriver à faire des choses intéressantes. Surtout que comme d'habitude, hein, il a une précision au niveau du tir, au niveau du canon. C'est vraiment intéressant. Alors là, ce qui est assez marrant, entre guillemets, c'est comme je venais de sortir du gameplay avec le Shtug et que j'utilisais les munitions à charge creuse, du coup j'étais un peu perturbé pour la visée, puisque c'est vrai qu'on prend vite l'habitude. Et du coup j'étais encore sur la mire assez haute pour viser les ennemis, et du coup ça va un petit peu me pénaliser au départ de la partie. Je vais avoir un peu de mal à cibler mes ennemis. Bon, après ça va revenir, mais c'est vrai que quand on change de véhicule et que la balistique est complètement différente, c'est vrai qu'il y a toujours un petit temps de réadaptation. Mais c'est vrai que c'est vraiment un chasseur de char plaisant. Alors pour l'histoire, hein, donc le Marder 3 était construit sur le châssis du Panzer 38 tonnes, donc qui était devenu littéralement obsolète, hein, face aux chars russes, hein, puisque à partir de 1941, après l'attaque des Allemands sur les Soviétiques dans l'opération Barbarossa, ben, évidemment le Panzer 38 tonnes a été devenu complètement dépassé. Donc ils ont décidé de modifier et récupérer le châssis de ce Panzer 38 tonnes. Et donc il apparaîtra à partir de 1942, donc il sera utilisé sur tous les fronts, en Afrique du Nord, en Italie, en Europe, sur la campagne de l'Est. On le retrouve vraiment partout. Vraiment un char, à mon avis, en plus, qui ne devait pas être très cher à produire et qui était relativement bon, hein. Donc c'est vrai que c'est un véhicule qui a été énormément utilisé par l'armée allemande. Et là, dans le jeu, c'est vrai que si vous êtes bien placé, bah, finalement, ouais, on se rend compte qu'il a vraiment du potentiel. Alors regardez, j'avais un ennemi, un SU-57 qui était venu se placer juste à côté de moi dans les hauteurs. Alors là, j'ai eu de la chance qu'il m'ait pas repéré. Heureusement que je l'ai vu au dernier moment, parce qu'ils sont tellement petits, on les entend pas arriver. Et là, le gars s'était vraiment posé tranquille pour essayer d'aligner mes coéquipiers sur le travers. Alors là, la grosse erreur, encore une fois, de mon équipe, c'est que bah, y a personne qui se soucie de tenir les hauteurs. Et c'est vrai que sur la carte Carpathes, surtout face au point comme ça, là, la clé c'est quand même de tenir les hauteurs du château, parce que là vous surplombez l'ennemi, et honnêtement, une fois que vous êtes installé, l'ennemi a beaucoup de mal à pouvoir sortir de son spawn, et en tout cas progresser au milieu de la carte. Vous l'empêchez vraiment de progresser, vous les obligez de passer par l'autre côté de la chaîne, ce qui est quand même déjà pas si mal. Alors là on voit qu'il y a déjà un avion qui s'est approché, donc il y a un moment je vais essayer de me déplacer, puisque là en plus
On voit que j'ai pas un super visuel, j'arrive pas à cibler les ennemis correctement. Il y a trop de rochers, je suis pas vraiment capable de les empêcher de s'approcher. Même si là on voit que mon équipe a pris le point. Bien entendu ça va pas durer, donc surtout dans ce mode là. Donc je vais essayer de me déplacer et surtout je vais essayer de me mettre un peu à l'abri parce que l'aviation commence à être menaçante. Donc c'est vrai que voilà, donc, comme je disais, ça recap tout de suite dans le mauvais sens hein, pour nous. Bon, là j'ai touché, mais bon, c'est pas assez bas pour pouvoir l'endommager gravement. Donc là, comme vous voyez, hein, j'arrive pas à les avoir. Là, il y a trop de couverts et en plus, je commence à être pris pour cible. Donc là, voilà, on va reculer, on va prendre un peu de précaution. Puis de toute façon, là, il est temps d'aller investir les lieux au niveau du château, puisque j'ai déjà eu une mauvaise surprise et il est évident que l'ennemi va réitérer son attaque par les hauteurs. Donc on va aller directement se placer dans les ruines pour voir si on a un meilleur visuel et puis éventuellement neutraliser des ennemis qui sont en train d'envahir le secteur. Donc c'est parti. Alors la mobilité est bonne, hein, il n'y a pas de souci. Par rapport au poids du char, on a quand même une bonne motricité. Là, il n'y a vraiment pas de souci. On peut se déplacer, grimper un petit peu partout. Alors c'est l'avantage de ces petits chars hein, dans cette catégorie de BR assez bas, hein, c'est clair. En plus, vous avez une dépression du canon qui est quand même plutôt bonne. Les mouvements latéraux de droite et de gauche au niveau du canon, c'est pareil. On peut quand même pivoter son canon sans avoir besoin de bouger le char complètement. C'est vraiment, vraiment intéressant. Allez, vous voyez que même dans la côte, je suis pas trop pénalisé, hein, je grimpe plutôt bien. Alors là, vraiment, c'est vrai que là, si mon équipe était un petit peu plus perspicace et s'était intéressée au secteur dans lequel je me trouve, la situation serait plus facile. Alors là, j'avais vu sur la carte, il y en a un qui s'est approché. Regardez, il y en a un SU-85. Là, le mec, il est gonflé quand même, là. Il vient carrément chercher mes alliés à la sortie du spawn. Donc là, il faut quand même pas pousser. Il fallait vraiment neutraliser ce gars-là qui était vraiment... qui s'est senti pousser des ailes là, à venir à découvert comme ça. Donc là, c'est quand même hallucinant de se rendre compte qu'au moment à ce moment-là de la partie, on a déjà des ennemis qui essayent de venir nous attaquer dans le spawn. Bon, bah là, au moins, il aura compris que c'était une erreur. Donc, on va continuer à progresser. Donc là, la difficulté, c'est que je suis en train de m'aventurer dans un secteur intéressant, mais dangereux, puisque je suis littéralement seul. J'ai aucun accompagnement avec moi pour me couvrir. Et on n'a pas le droit à l'erreur, hein, parce que comme vous n'avez pas de blindage, avec 30 mm, hein, il est évident que c'est tout de suite très risqué. Même un mitraillage peut vous mettre en difficulté. Donc là, j'entends qu'il y a un ennemi qui est en train de passer par le pont en bas. Là, il est en train de passer sous la voûte. Voilà, donc là, on a un Sherman qui passe en travers. Donc là, il ne m'a pas entendu. Donc c'est un pec. Donc là, je le prends bien en travers. Alors c'est vrai que l'avantage, c'est que le moteur ne fait pas beaucoup de bruit. Donc on peut quand même se glisser finalement un peu... plus discrètement qu'avec un véhicule qui serait un peu bruyant. Ah là là, regardez, il y a un autre ennemi. Alors donc là, le problème, c'est que j'ai tapé un peu bas. Alors, j'ai tapé dans la transmission, et malheureusement pour moi, là, il aurait fallu que je tape plus haut, parce que là, du coup, il m'a endommagé le canon. Heureusement, il m'a pas détruit. Donc là, j'ai eu un peu de chance que son tir, finalement, ne touche que le canon et la culasse. Parce que là, j'aurais pu être détruit en un coup. Donc là, on répare tant bien que mal. Donc là, vraiment dommage hein, que j'ai pas réussi. Je pensais l'avoir ciblé assez haut et en fait, j'ai tapé vraiment trop bas. Le fait que le char était en contrebas, il aurait fallu que je rehausse un peu ma mire et je l'aurais détruit en un coup, hein, c'est évident. Donc là, maintenant, il va falloir être prudent puisque il sait que je suis là. Et il va falloir manœuvrer intelligemment parce que là, si jamais il arrive à me déborder, hein, il est évident que j'arriverai pas à tenir le choc. Donc on va essayer de se replacer juste à la sortie du petit tunnel. On va essayer de voir s'il essaie de me prendre par surprise et je vais essayer de l'attendre. Donc là, il est hors de question que je me représente évidemment sur le pont. Hein. Vous aurez bien compris que là, si je me montre, je serai détruit. Donc on recule avec précaution. On va aller se mettre juste en face du petit souterrain là. On va voir si il s'aventure par ici. Ça serait intéressant parce que là, c'est vrai que j'ai plus trop de possibilités pour le surprendre. Alors là, comme vous l'avez remarqué, hein, je ne me retourne pas parce que je ne veux pas avoir de mauvaise surprise. Si jamais j'ai un ennemi dans le dos, comme l'équipage est carrément visible, un simple mitraillage et là vous êtes détruit. Donc je reste de face et je recule parce que si jamais j'ai un ennemi qui arrive, comme je viens de vous l'expliquer, vous allez être littéralement pulvérisé avec un simple tir de mitrailleuse. Donc il faut être prudent et ça coûte pas grand chose de faire ça. Voilà.
Donc là maintenant, on va bien écouter si il arrive par le bas ou par le haut. Parce que là, c'est vrai que je peux pas me louper sur ce coup-là. En plus, on entend qu'il y a visiblement un deuxième véhicule en approche. Donc là, c'est vraiment problématique. Donc là, on écoute un peu partout, derrière, à droite, à gauche. C'est toujours stressant de savoir qu'on a plusieurs ennemis qui arrivent, surtout avec un véhicule qui ne supporte aucun tir à courte distance. Non, ça arrive vers le bas. Donc là, on se prépare. Parce que là, visiblement, c'est en bas que le son est en train d'arriver. Et là, regardez, on a M15. Alors lui, on peut dire qu'il a les dents plantées dans le plafond, hein, parce que là, la tourelle est venue s'écraser sous la voûte. Là, c'est carrément une explosion dentaire hein, que le gars a subi. Ça m'a fait assez rire de voir la tourelle s'envoler contre la paroi comme ça. Donc là, heureusement pour moi, c'est pareil, c'est un anti-aérien. Vous imaginez les dégâts qu'il aurait pu me faire. Ça aurait été terminé pour moi. Donc là, pareil, j'attends encore un petit peu de voir s'il y a le deuxième char qui est en approche. Bon, alors c'est vrai que vous voyez bien que là, pour l'instant, toute mon équipe est concentrée en bas. Ils s'obstinent à essayer d'attaquer de front le point. Personne n'essaye de venir en appui de mon côté. Encore une fois, des joueurs qui réfléchissent pas beaucoup. Parce que là, quand même, c'est quand même pas compliqué de comprendre que si on s'installe sur le côté droit et sur la hauteur, évidemment que la partie, ça va basculer beaucoup plus en notre faveur. Mais il n'y a rien à y faire. Hein. Personne ne veut venir m'aider. Donc, comme d'habitude, on va se débrouiller tout seul. Mais c'est quand même incroyable. Hein. Franchement, moi, c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais il y a des gens, quand ils jouent, ils ont une logique. Enfin, ils en ont même pas, quoi. Ils n'ont aucune stratégie. Les mecs partent de front et c'est terminé. Donc là, il y a l'ennemi qui est en train de recapturer. Donc je vais essayer de m'approcher un petit peu plus près pour essayer de les dégommer tant bien que mal. Parce que là, c'est vrai que tout seul, c'est quand même assez chaud. En plus, là, je suis pas à l'abri de me faire désintégrer encore une fois par l'aviation. Ouais, donc là, c'est vraiment tendu hein, quand on est tout seul. Donc là, c'est pareil, hein, je me méfie parce que il y a toujours la menace de l'ennemi que j'avais engagé tout à l'heure. Voilà, j'arrive pas à savoir où il est. Alors c'est vrai que j'ai pas vraiment fait gaffe, peut-être qu'il a été détruit à ce moment-là et que j'ai pas fait attention, mais du coup je préfère être prudent. Bon, on va continuer à progresser. Là je vais me mettre sur le coin du pont, en plus on a un peu une couverture là avec le mur. Donc là ça devrait plutôt être pas trop mal. Alors on va commencer à essayer d'enchaîner les ennemis. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'avais encore un peu de difficulté à cibler les ennemis de loin. Hein. On voit que je tire trop haut. Voilà. Donc, parce que là, on n'a pas vraiment de recul, hein, donc la visée est très bonne hein, sur le char, il n'y a aucun souci. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Là, ça passe pas non plus. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. On va se mettre un peu plus près. Mais bon, voilà, ça fait quand même vraiment plaisir de rejouer ce genre d'unité. Puis on est vraiment dans l'ambiance Seconde Guerre mondiale. Hein. Comme je l'avais dit la dernière fois, c'est vrai que maintenant, le jeu, on est tellement basculé dans les périodes de guerre froide et tout ça. C'est devenu compliqué de rester dans la bonne catégorie historique. Et c'est vrai que de revenir un peu dans ces petits BR, c'est plutôt sympa. Hein. Ça permet de décompresser un peu du harcèlement guerre froide qu'on a sur le dos systématiquement dans le jeu, qui fait que tout devient très compliqué, hein, clairement. Bon, la dernière fois, j'ai refait un peu de partie avec le Tiger 2. J'avais carrément du 7-7 en face. C'était l'enfer. J'avais de l'IS-4, enfin bon, des trucs pas possibles, du T-54-1951. Des choses incroyables. On peut pas lutter, là. Il y a quand même une aberration dans le jeu. J'arrive toujours pas à comprendre leur logique à Gajin. C'est vraiment incroyable. Ils veulent rien entendre là-dessus. Et c'est en train de pourrir le jeu, mais ils continuent. Hein. Il n'y a rien à faire. Ils comprennent rien. Alors là, pareil, tir qui passe juste au-dessus. Alors là, on va rectifier ça tout de suite. Donc là, cette fois, ça devrait être la bonne. Voilà, donc là, impeccable. Voilà, sur le genre de petite unité, hein. Évidemment, ça fait pas un pli, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Mais là, franchement, c'est clair que vous pouvez pas les louper. Vous les désintégrez littéralement. Donc là, ça me permet de regarder sans me montrer. Donc on voit qu'il y a encore des ennemis qui sont en approche. Donc là, on va essayer de les neutraliser, hein, puisque... On a une très bonne position, hein, c'est ce que je vous disais, là, la position en hauteur est vraiment bonne. Donc là, on a deux ennemis qui sont en plein centre de la carte. Donc on va s'occuper du premier. Voilà, donc là, en plus, on les prend sur le travers. Destruction assurée. Et là, le deuxième, il m'a pas vu, donc on va pouvoir sortir pour aller le détruire.
On voit qu'il ne regarde pas du tout de mon côté. Je crois qu'il a même pas vu le départ de tir. Voilà, donc là, hop, c'est fait. On s'en débarrasse. Donc là, ce qui me saoule à ce moment-là dans la partie, c'est qu'en fait, mon équipe n'attaque plus. Ils sont quand même assez nombreux. Quand vous regardez sur la carte, on voit encore quand même qu'il y a pas mal d'unités. Et à ce moment-là, je ne comprends pas qu'ils ne s'approchent plus de la zone. Parce que moi, finalement, je donne un bon appui là, sur le centre de la carte. Et je pense pas que derrière la chaîne, là, il y a autant d'ennemis que ça. On voit que quand même, en face, ils sont plus si nombreux que ça non plus. Et là, je comprends pas pourquoi ils tardent à attaquer comme ça. Alors évidemment, c'est quand même pas à moi d'aller avec mon petit char sans blindage sur la zone, hein, c'est clair. C'est pas mon rôle, hein. Chasseur de char comme ça, très fragile, c'est quand même pas à vous d'aller capturer la zone. Donc on va continuer à essayer d'appuyer mon équipe. Mais vraiment là, je comprends pas pourquoi ils bougent plus. Là, honnêtement, regardez, le terrain est littéralement vide, il n'y a personne. Il y a quelques tirs d'artillerie qui sont balancés pour essayer de freiner l'avance éventuelle de mes alliés. Mais franchement, là, je me suis vraiment dit, mais pourquoi ils n'y vont pas, là? Franchement, c'est vraiment incroyable. Alors bon, c'était encore une équipe assez bancale. Hein. Malheureusement, c'est de plus en plus souvent. Et je pense qu'il y a quand même une bonne quantité de bons joueurs qui sont partis, hein, qui ont abandonné le jeu, qui ont été vraiment dégoûtés et dépités de toute cette situation improbable au niveau des BR. Et finalement, bah, aujourd'hui, on se retrouve quand même avec beaucoup de joueurs vraiment moyens. Et puis des gens qui pensent qu'à faire des kills, foncer la tête baissée, ne réfléchissant même plus aux objectifs. Et, ils se font, comme on peut sortir des chars à foison, bah, ils se font péter une fois, deux fois, trois fois. Et c'est pas grave, ils continuent et continuent. Alors c'est vrai que tout ça fait qu'on se retrouve vraiment avec des parties assez médiocres. Et c'est de plus en plus dur de trouver des joueurs qui tiennent la route. Hein. Ça, c'est une certitude même. C'est vraiment dommage, hein, parce que du coup le jeu perd en qualité, parce que avec tout ce genre de conneries, plus finalement des joueurs qui font plus ce qu'il faut, et de plus en plus, hein, les joueurs ne cherchent plus les objectifs, hein, c'est devenu vraiment du bourrinage par moment, surtout qu'il y a certaines configurations qui vraiment ne font penser qu'à ça, du bourrinage. Quand vous avez certains modes sur certaines cartes, hein, c'est juste pas possible la façon dont c'est géré. C'est vraiment dommage, parce que c'est vrai, comme je le dis, hein, et vous le dites aussi, c'est un jeu qui a quand même un énorme potentiel, qui est très bien fait, mais voilà, qui est gâché quand même par beaucoup de conneries. Et si seulement Gadjin voulait faire un petit effort là-dessus, je pense que voilà, peut-être que ça rattirerait aussi un certain nombre de joueurs qui ont quitté le navire, hein, comme on dit. Donc ça, voilà, j'espère toujours que ça va s'arranger, mais bon, les mois passent, les années passent, et finalement, bah, plus ça va, plus on va dans le moderne en plus, donc de toute façon, la Seconde Guerre mondiale est devenue vraiment secondaire dans le jeu, hein, c'est plus vraiment leur priorité. Alors là, à ce moment-là, j'entends qu'il y a un ennemi très proche, je suis même presque sûr qu'il y en a deux, donc là, je suis en train de me demander si ça va arriver de ce côté-là, ou si c'est en train de passer juste dans le chemin en contrebas, hein. Donc là, j'écoute au maximum. Alors c'est vrai que des fois, il vaut mieux rester un peu immobile et écouter que plutôt avancer sans vraiment savoir d'où ça vient. Et là, vous vous faites surprendre. Parce que finalement, quand on écoute bien, on arrive quand même à bien cerner où l'ennemi arrive. Et là, on vient de voir un départ de tir. Donc là, il est juste là, sur le petit chemin en contrebas. Alors on a M24. Donc là, vous voyez, hein, l'ennemi, lui, évidemment, il s'installe sur les hauteurs. Il a bien compris que la position était bonne, donc là j'ai un tir qui vient de partir de la droite. Heureusement pour moi, j'ai eu le temps de me rétracter. Mais là, regardez, surprise, enfin mauvaise surprise, j'ai plus de munitions. Encore une fois, j'ai plus de munitions. Alors j'en avais quand même emmené au moins 30 ou 33. Mais bon, j'ai tiré pas mal, hein, quand même dans la partie. Bah, résultat, j'ai plus rien. Alors là, mon équipe a capturé la zone, mais beaucoup trop tard. Hein. Regardez les tickets, il n'y a plus rien. Ils sont vraiment affolés au dernier moment, hein. Je sais pas pourquoi ils ont attendu si longtemps, mais résultat, c'est foutu. La partie va être perdue, et là, bon, je me retourne, mais de toute façon, comme j'avais plus de munitions, j'étais complètement bloqué. Hein. Donc la partie a échoué, c'est vraiment dommage. S'ils avaient un petit peu réagi plus tôt, je pense qu'on aurait pu la remporter. Et puis surtout, s'il y avait au moins deux unités avec moi qui m'avaient accompagné sur les hauteurs, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, le résultat est plutôt bon, hein, finalement. J'ai quand même réussi à détruire 8 chars ennemis. J'ai pas été détruit, entre guillemets, puisque c'était la fin de partie.
Et les performances et la qualité de visée est vraiment bonne, hein, sur le Marder 3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé à mieux appréhender ce petit chasseur de chars. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne journée à tous. Allez, salut tout le monde. Ciao.